La hanche, eh bien, c'est l'articulation la plus importante du corps humain. Ici, une petite maquette qui vous montre que c'est une articulation simple, qui est juste une rotule avec la tête du fémur qui va rouler dans l'os du bassin. L'arthrose de la hanche est la même que l'arthrose de n'importe quelle articulation du corps humain. Les os dans les articulations sont couverts d'une croûte cartilagineuse, un peu comme du sucre glacé. Et ce sucre va commencer à se rayer, car les cellules vont mourir, il va se craqueler. Et lorsqu'il n'y a plus de couverture cartilagineuse, eh bien la rotule est grippée comme une pièce mécanique. Les symptômes de cette coxarthrose, eh bien, le plus simple est bien sûr une douleur au niveau de la hanche. La douleur la plus fréquente se situe au niveau de l'aine, puisque votre hanche est là. Mais parfois, cela peut être un peu piégeant, parce qu'on peut aussi avoir mal dans la fesse, avoir mal sur la face externe de cette hanche. Et de façon très rare, mais c'est un piège pour les médecins, la douleur peut être au niveau du genou. C'est une douleur mécanique qui va donc apparaître au mouvement. Lorsque vous marchez, vous courez, et lorsque les symptômes évoluent, elle va apparaître dans des gestes plus banaux de la vie quotidienne. Si vous êtes assis, lorsque vous vous relevez, lorsque la hanche va s'enraidir, eh bien vous aurez du mal à vous laver le pied, à couper les ongles de pied. Et enfin, toujours sur l'évolution, la douleur va devenir permanente, et y compris une douleur nocturne qui va devenir de moins en moins tolérable. Si vous présentez ces symptômes que nous venons de décrire, eh bien il faut commencer par consulter votre médecin traitant, puisqu'il est le pivot et que lui vous connaît. Il va bien sûr vous examiner. La hanche, a priori, va être enraidie, puisqu'elle est bloquée du fait de cette usure. Il va se dire que vous avez une coxarthrose, et à partir de là, va vous prescrire déjà une radiographie de la hanche. Et s'il a un doute, parce que vous avez mal au genou, bah du genou et de la hanche. Si la radiographie est probante, le diagnostic est posé. Et à partir de là, il va débuter un traitement dit médical. Essayez de gommer les facteurs de risque, une suractivité physique, une surcharge pondérale, d'autres problèmes métaboliques. Si les douleurs deviennent importantes, nous allons commencer à prescrire des antidouleurs, tout simplement. Parfois, quelques grammes de paracétamol par jour suffisent. Lorsque c'est insuffisant, cette arthrose a entraîné une inflammation, et donc nécessairement les anti-inflammatoires devraient avoir de l'effet, mais pas toujours, puisque tout ça dépend à quel stade nous en sommes. Il existe encore d'autres thérapeutiques, notamment des injections intra-articulaires, des infiltrations. Lorsque tous ces traitements sont épuisés, ben là, le médecin va se dire qu'il est temps de passer au chirurgien. Donc, nous passons à la chirurgie parce que votre qualité de vie est trop altérée, que vous n'arrivez plus à marcher, que vous êtes réveillé la nuit, que le recours au traitement devient indispensable et des thérapeutiques excessives. Nous allons donc changer cette articulation par une articulation artificielle. Son principe mécanique, comme je le disais, est simple, c'est une rotule. Nous allons donc mettre une nouvelle rotule. Ces prothèses de hanche ont commencé dans les années 80, même plutôt 60. Les premières prothèses étaient donc, comme disent les anglo-saxons, « ball in socket », une petite tête dans une cupule qui était en plastique et la tête en métal sur un morceau de fer qui était dans le fémur. Ainsi, en fait, on a une cupule dans l'os du bassin, creuse, elle reçoit une tête qui roule dedans et une tige qui est dans l'os du fémur. Et ce principe, aujourd'hui, est toujours le même. Par contre, les implants ont beaucoup évolué, puisqu'aujourd'hui, on utilise, pour que cela ne s'use quasiment pas, des pièces en céramique qui vont glisser l'une sur l'autre. Leur taux d'usure est quasi nul. Elles permettent d'avoir une tête de diamètre beaucoup plus gros. Et elles tiennent sur l'os par des pièces qui sont en titane, car c'est un métal biocompatible, et l'os va repousser à sa surface. Une des autres options en vogue actuellement est d'utiliser toujours une pièce intermédiaire en plastique polyéthylène, mais qui est mobile dans une cupule. Cette mobilité va diminuer l'usure et diminue le risque de déboîtement, qui est un des risques classiques de l'opération. Comment va se passer cette opération?
Il existe plusieurs façons d'aller à l'articulation, ce qu'on appelle les voies d'abord. Bien évidemment, votre chirurgien va essayer d'être le moins agressif possible. Son choix est basé sur de nombreux critères. Le but est de ne pas agresser votre corps. De nombreux instruments sont utilisés pour donc implanter la tige et l'occipule définitive. Nous avons ici des instruments pour creuser l'os du bassin et sertir la cupule dans cet os, et d'autres instruments, des râpes de taille progressive qui vont creuser le fémur pour y implanter la tige. Pendant l'opération, nous avons des pièces d'essai pour déterminer la taille optimum de la prothèse. Et lorsque les choix sont validés pendant ces essais de chirurgie, les pièces définitives sont posées. Le chirurgien va tout simplement fermer votre corps et la rééducation va débuter dans les heures qui suivent. À la sortie de la chirurgie, vous allez quelques heures en salle de réveil. Lorsque vous êtes en forme, vous remontez donc dans votre lit. Le kinésithérapeute va passer, vous bougez, vous levez. Là, plusieurs options sont possibles. Soit vous rentrez à domicile, vous êtes en ambulatoire et vous allez donc vous mobiliser de façon optimale immédiatement, marcher dans le couloir, aller dans un escalier pour donc supprimer l'angoisse de la chirurgie, vous montrer que vous pouvez repartir à la maison. Mais l'on s'adapte à chaque individu. D'autres patients sont sur une hospitalisation courte ou au contraire vont rester hospitalisés dans un établissement et partir en convalescence parce qu'ils présentent des comorbidités, qu'ils sont fragiles ou tout simplement parce qu'ils sont isolés et âgés. Quelles sont les suites à moyen terme? La rééducation continue. Les patients jeunes, par exemple, me disent qu'au bout d'une semaine, ils marchent avec une seule canne, voire sans canne. Ils reprennent la conduite automobile sur 15 jours, 3 semaines. Mais de toute façon, il faut laisser quand même à la nature faire son chemin. Le corps va se réparer sur une période d'un mois, un mois et demi. Il faut donc être prudent pendant cette période-là pour ne pas créer des complications post-opératoires parce qu'on a voulu aller trop vite et que l'on n'a pas écouté la nature. Au bout d'un mois, un mois et demi, parfois un petit peu plus suivant les patients, vous avez récupéré et la récupération va se poursuivre sur quelques mois. Le but de cette chirurgie aujourd'hui n'est pas juste d'enlever la douleur à l'enraidissement, mais de vous redonner des capacités fonctionnelles optimum, puisque notre but, c'est de vous redonner votre qualité de vie. Et c'est pour cela que vous nous reverrez, par exemple, en consultation, à un mois et demi, deux mois, puis d'autres consultations si nécessaire. La prothèse, comme c'est une pièce mécanique, nécessitant un suivi régulier, puisqu'il peut toujours se passer des anomalies, ou ne serait-ce aussi que pour vous rassurer et vous guider dans vos capacités fonctionnelles.